Ok, j'ai commencé à écrire ma première chanson, c'était en 2004. Et je me rappelle la chanson que j'avais écrite, c'était La Divinité Suprême. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. J'ai beaucoup plus évolué jusque-là dans l'écriture. Je n'ai pas encore presté vraiment comme musicien, totalement dans la carrière. Mais au début ou en fin de l'année 2021, j'ai dû faire un single pour ma première sortie. Et voilà ce que je peux dire en résumé de ce que j'ai déjà fait. Le premier single sorti le 31 décembre 2021, qui s'intitule Des mots et des phrases. Deux mots et des phrases. Les clips sont déjà disponibles sur votre chaîne YouTube. Oui, sur ma chaîne YouTube, Fresh Chatra Koubimbo TV. Donc, si vous entrez là-bas, vous allez voir le clip, il est là. En principe, on a commencé à le charger depuis donc la nuit du 31, mais il est effectif à 0h juste du 1er janvier 2022. Voilà. Donc, on peut dire que le clip était officiellement disponible le 1er janvier janvier 2022. 2022 à 0h00. Vous parlez de quoi exactement dans cette chanson-là? Oui, cette chanson, c'était une chanson d'abord circonstancielle. J'ai eu cette inspiration le 24 décembre. Donc, de la composition jusqu'à la publication, ça n'a fait que 7 jours. Comme Dieu créait le C'est allé ciel, tellement vite. les cieux et la terre, c'est 6 jours, et au 7e jour, Dieu s'est reposé. Et moi aussi, cette chanson-là a pris 6 jours, et puis ce 7e jour, elle a été publiée. Je parle, c'était, comme je parle de la circonstance, c'était la fin de l'année. Je voulais dire merci à Dieu, mais sous forme donc d'une chanson, sous forme d'un poème, et j'ai fait du slam dans cette chanson-là. Voilà. Mais à quand l'album? La chanson est déjà là, le premier single. Vous dites que vous avez déjà beaucoup de chansons écrites, mais non encore publiées. Alors on peut dire mises à la disposition de tout le monde. Mais à quand le prochain album ou le premier album? Ok, en réalité, le premier album est...